Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va faire un tambour. Alors, pour ce qu'il nous faudra pour faire le tambour. Alors, un couteau. Alors, un couteau, pour faire juste ça, pour rentrer le crayon. Alors, le crayon, on va le planter dedans. Pour que ça reste tac, 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 tac. Voilà. Voilà. Une boîte de mèche qui rit vide. Quand même, on va pas la faire remplir. Voilà. Des petites perles rouges qu'on a pris. Enfin, on n'a pas volé, vous inquiétez pas, on n'a pas volé. Des ciseaux. Alors, des ciseaux. Qui est quand même pour moi, parce que moi, maintenant, je suis découpée. De la colle Cléopâtre blanche. Des ficelles blanches. Et du papier sulfurisé rose. Alors, avec le papier sulfurisé, on va découper en bandes et on va découper en carré. Pas trop grand, pas trop petit. Allez, c'est parti, on y va. Alors, c'est pas la boîte de mèche qui rit parce que je vous l'avais dit au début. Alors, c'est juste, j'avais oublié de vous dire que un petit bol, si vous n'avez pas, ça peut même marcher avec un petit bol. Ou un verre, voilà. Faites comme vous voulez. Et un pinceau. Si vous n'avez pas chez vous, et ben, je sais pas si, ben, il y a des magasins qui vendent des pinceaux, vous en achetez un. Voilà. Vous allez mettre de la colle, je sais pas si je l'ai dit, et vous versez dedans. Et pour que ça colle, ben, ça, ben, on va mettre tout, hop là. Après. Voilà, c'est du papier crépon rose. Il me faudra une paire de ciseaux. Alors, pendant votre absence, j'avais fait ces petits carrés. Voilà. Alors, suivez-nous, c'est parti. Alors, aujourd'hui, on va continuer notre tambourin, notre deuxième couche. Alors, vous en faites comment? Alors, on a pris notre pinceau, celui-ci. Alors,
au lieu de mettre directement la colle, on va tremper, ça. Et on va mettre ça et on va vite, on va coller comme ça. Alors, on va continuer à mettre les petites ficelles. Et les petites boucles. Vous voyez, alors, il y a un petit trou là. Vous voyez, j'espère. Et on pourra. Alors, on va enfiler par ici. Là, ici, et on va enfiler comme ça. Là, je l'enfile. Ce serait facile, hein. Vous l'enfilez et vous tirez. Voilà. Comme un joli collier, on va faire comme un joli collier. Allez, suivez-nous. C'est parti. Voici, on a terminé notre tambourin. Alors maintenant, je vais vous faire présenter. C'est bon, trop fait. Et ça fait bon. Bon, t'avais pas énorme de bruit. Parce que faut que ça sèche, c'est pour ça. Parce qu'il faut que ça sèche, c'est pour voilà. Ça. Alors. Alors, c'est la première fois qu'on affine, hein. Et quand même, je suis bien contente de ce résultat. Alors, c'est parce qu'à l'école, j'en avais fait, hein. Mais on avait mis des petites décorations, ce qu'on avait fait à l'école. Mais on n'a pas de décoration, alors on le laisse comme ça. Bon. Ça fait rien. Mais quand même, on va en mettre. Enfin, mais si on en trouve. Si on en trouve. Il faut que ça sèche. Mais d'abord, il faut que ça sèche. Bien sûr. Alors, joyeux Noël à tous!